c'est de monde, c'est Galax, c'est aujourd'hui sur Need for Speed The Run. Très heureux de vous retrouver pour l'avant-dernière étape, étape numéro 9 de ce Let's Play. On est parti, alors je ne sais pas ce qui nous attend, découvrons. Ah oui, rappelez-vous, nous avions pris une Porsche, trop bien. Ah, apparemment il y avait un petit raccourci directement à droite que j'aurais pu éventuellement choisir. Prendre et franchement cette Porsche, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle envoie, ça fait plaisir. Allez, on est parti en tout cas les amis pour l'avant-dernière étape de ce Let's Play. Et mine de rien, c'est un jeu qui est vraiment très court, hein. Et encore on a des épisodes qui sont courts. Donc imaginez un petit peu la durée de vie du mode solo. Je ne sais même pas s'il y a un mode multijoueur sur The Run. Je suis pas sûr, est-ce qu'il y a qu'un mode solo? Parce que s'il y a qu'un mode solo, c'est quand même un jeu qui est vachement court. Hein. Allez, oh là là, mon dieu, j'ai tout faim ici. Attention, hein. Méfiance, apparemment il y a de sacrés virages. Ouais, on va éviter de se prendre les barrières sur le côté. Ou apparemment ça se bagarre un petit peu devant. Oh là là, à mon avis il s'est pris le camion après derrière. Dépassement loyal. Ah oui, en même temps je l'ai pas touché. Hein. Allez, 3 positions sur 8 récupérées, donc épreuve de dépassement. J'ai encore loupé un raccourci sur la droite. Apparemment les concurrents aussi ne prennent pas le raccourci. Tant mieux pour nous, c'est bon signe. Hop, oh là là, attends, c'est un raccourci ça, oui. Oui, voilà, là je le prends parce que je me suis fait surprendre. Dans la grange, excellent. Allez, 4 sur 8, avec de la bonne musique en fond. Voilà qui fait plaisir. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Bel environnement, tiens, vas-y, je prends le raccourci. Il y a moins de trafic. Par contre, est-ce que c'est une véhicule tout terrain qu'on a? Je ne sais pas. Oh, chiasse. Oh, 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 oh. C'est énorme ce qui s'est passé. C'est énorme. Oh putain. C'est quoi ce raccourci de la mort, sérieux? Mais ce raccourci, je perds mes places. Regardez, je perds mes places, 3ème sur 8, 4ème. Oh putain! C'est n'importe quoi! Mais what? Mais j'étais bien pourtant là! J'ai perdu toutes mes places! What the fuck ce raccourci? Ne surtout pas prendre les raccourcis! Ah, c'est terrible! Parce que tout le monde me disait, Galax, tu prends pas les raccourcis? Bah ouais, bah quand je les prends, regarde! C'est n'importe quoi! Moi, je pense que les seuls raccourcis de l'histoire du jeu qu'il fallait pas prendre, je les ai pris en fait. Je suis sûr que c'est ça. Oh, un avion! Waouh, 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 bien joué! Allez, on est passé, il reste 2 km. Ah putain, j'aurais pas pensé y arriver après ce passage difficile dans les raccourcis. Attention! Non, attention! Ah merde, je me suis enfoncé dans le sol. C'est vrai qu'on peut pas aller sur les côtés. Ah la chiasse! Accidenté, c'est nul ça! C'est marqué Michelin devant où je rêve? Non, je crois que c'est marqué Michelin sur le capot. Ouais. Bon allez, bon, on va monter maintenant, évitons de sortir de route parce que voilà, c'est pas un monde ouvert, hein, on se comprend, il y a... y a juste la route et si tu vas à côté, après c'est des murs, voilà, tout simplement. Tu t'enfonces dans le sol, tu tapes des murs invisibles, tout ça, tu vois. Attention, méfiance. Allez, reste à peine 800 mètres, logiquement ça devrait le faire. C'est pas non plus trop compliqué cette étape, je trouve, cette épreuve pour l'instant. Faut juste penser à ne pas trop aller sur les côtés parce que ce n'est pas autorisé dans le jeu. Voilà. Allez, c'est gagné. Première épreuve qui s'est bien passée, dommage, pas de run parfait à cause du sol, hein, voilà, on rentre dans le sol bizarrement quand on va sur les côtés. Donc là on remporte 8 places, on est 18ème, oh là là. Mais je me demande si la dernière étape effectivement elle est là pour qu'on gagne des places ou alors est-ce qu'on aura toutes les places gagnées dès l'étape 9, on verra bien de toute façon. Allez, flashback restant par 4, ok, ok, suite du run. Allez, c'est reparti, 6 places à prendre, putain, ça arrête pas dis donc. Allez, 6 positions, 10 km 3, oh là là, c'est long. Enfin, c'est long, après ça dépend avec quelle voiture, hein. C'est pas non plus ouf ou long. Allez, hop, salut mon pote. Hop là. On réaccélère, dépassement des déloyal. Et ouais, au final, c'est vrai qu'à 30 FPS, ce jeu, il se joue bien. C'est vrai que j'avais peur au début pour éviter les bugs quand je suis passé en 30, et qu'au final, ça peut aller. Y'a la police. Ah, je me disais aussi, ça avait l'air un peu trop simple de passer 6 places. Sans police, sans rien. Je me disais, c'est chelou. Il y a quand même la difficulté de la police. Ah, et une station à 400 mètres. Non, non, j'y vais pas, on va rester avec la Porsche. Ça me va amplement la Porsche. Oh shit. T'as failli m'envoyer sur la voiture du trafic. Salopio. Arrête tout de suite. Allez, on va les rattraper. Ils sont pas évidents à rattraper, je trouve. Et les flics en plus qui me foutent un coup de pression là. Il nous reste 5 flashbacks dans tous les cas. Donc... Oh shit. Ah bah je suis allé en plein dedans direct. Ça c'est chaud en fait dans ce jeu, c'est d'éviter les barrages parce que ça prévient pas. T'as pas trop le temps de réfléchir en fait. C'est ça le truc, ça joue sur les réflexes vraiment. Donc au pire tu peux te lancer sur les barrières, ça vaut mieux en fait. Allez, on va essayer d'esquiver du coup le barrage qui arrivera sur la droite du coup. Maintenant on le sait, j'ai l'œil qui me gratte, mon dieu c'est terrible ça. T'as dans les vidéos quand t'as l'œil qui te gratte, c'est horrible. Allez, alors attention, le barrage on est d'accord qui sera à droite. Putain,
Et vous avez vu comme il vous balance sur les côtés? C'est un truc de ouf ça, hein, par contre. Oh putain, il te balance même les voitures du trafic, t'es sérieux là? Oh là là, et franchement, l'IA de la police dans le jeu. Ah, mais même lui il se met en travers! Mais non, mais t'es pas de la police, mec! T'es pas de la police, man! Wow! Oh putain, comment je suis passé? Comment je suis passé, c'est chaud! Vas-y, je passe en T2. GG! Ouais, je m'auto-GG parce que c'est pas vous qui allez le faire pour moi. Hein. Allez, aspiration, très bien. Dégage. On a 4 sur 6, nous reste 2 places à prendre. 5 km à effectuer. C'est pas mal. Dégage. Ok. Faut les envoyer chier. Oh oui! Oh oh oh! Ce qu'on lui a mis! Ce qu'on lui a mis quand même! Ah, c'était quand même bueno ça. Dégage. Oh putain, comme il est arrivé vite lui! Elles sont chaudes, hein, franchement. Hein. Les voitures de la police, j'avoue que c'est pas évident. Puis c'est pas des petites bagnoles, c'est quoi? C'est des GTR? Je sais plus ce que c'est exactement. Non, non, c'est pas des GTR, c'est encore autre chose. Allez, je suis passé. Yes! Les positions sont gagnées. Maintenant, on doit tenir 2,5 km. Vitesse de pointe, XP pur 10, plus 10. Ah ouais, 337 km/h, ça rigole pas. Oh, les... oh là là, regardez, il s'est foutu dans la merde tout seul lui. Ah, c'est compliqué hein, quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est brouillon aussi? Oh là là, accélère vite! Faut pas qu'il revienne. Oh là là, quand je mets la turbo avec la Porsche, ils reviennent pas, normalement. Waouh! Ah si, ils sont là, putain, mais c'est un truc de ouf! Depuis quand les voitures de flics elles sont aussi rapides quand même? Waouh! C'est bon! Oh la vache! J'ai besoin d'un flashback? Ouais, il me semble, parce que j'ai percuté le barrage, bah du coup j'ai pas le run parfait encore. J'arriverai pas à avoir un run parfait, hein. C'est incroyable. Et à chaque fois ma voiture arrive à chaque fin d'épreuve complètement pétée. Allez, on est 12ème du coup du run. 12ème, bientôt dans le top 10. On vise le top 10. Ok, 80 XP. Bon, ça reste plutôt pas mal quand même si on en a plus. On a quoi, 500 XP je crois avec un run parfait, un truc comme ça. Par contre, les épreuves dominées, je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? Code 3. D'accord. Ah, une cinématique. Mila Belova est une fille branchée de l'Upper West Side de Manhattan. D'accord, la fille du mécano. Une amitié très forte avec la fille du mécano. De la famille et son côté rebelle l'ont fait plonger dans le monde de la vitesse, loin des règles. Elle n'est pas motivée par l'argent et ne cherche pas le temps de vivre. Oh, le duel là! Pourquoi les filles elles sont toujours dans une Nissan 370Z? Toujours, j'ai remarqué hein. Ok, faut que je batte Mila. Ah ouais! Ah bah d'accord! Attends, on va recommencer, hein. On va recommencer, non, parce que là, je vais user mon flashback pour rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer directement l'épreuve. Non, tu veux pas recommencer l'épreuve? Attends, si, on va recommencer l'épreuve. Bah quand même, évidemment. Contre Mila. Normalement, ça me fait recommencer juste le duel contre Mila. Oui, voilà. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que les filles sont souvent dans cette bagnole-là. J'ai remarqué dans les jeux, je sais pas pourquoi. Elle n'est pas motivée par l'argent et ne cherche qu'à s'éclater. Voilà, non, mais en fait, je vous l'ai pas dit, je suis rentré en larmes juste pour terminer ma phrase. Voilà, je voulais lire tout ça en entier. C'est tout. Allez, c'est parti du coup. Battre Mila Belova. On est chaud cacao. Allez, on se prend pas l'arbre, évidemment. Bon, elle a pas l'air. J'ai dit, on se prend pas l'arbre. Ah putain, du coup, elle est partie très très loin. Reviens. Ah, elle a pris le raccourci, mais je prends la route normale. Oh, mais c'est compliqué comme... Waouh, comme route. Ah, c'est magnifique, hein, par contre. Ah, c'est compliqué, mais magnifique. Hein. Oh là. Compliqué mais magnifique. Sacré virage aussi. Ah ouais, puis alors, non, mais ce qu'il y a dans le jeu, c'est qu'on peut pas passer du tout par le côté, quoi. Tu sors de la route, c'est fini en vrai. Tu sors de la route, tu peux essayer ton arrêt de mort, quoi. C'est nawak. Il va le doubler. Ah, c'est bon, elle suit derrière. Je t'ai pas envoyé chier, je pensais que j'avais envoyé chier dans le décor, penses-tu? Ouais, oh, ça va être dur. Sûr qu'elle va nous reposer, passer devant au moins une fois. Non, pourquoi je suis sur le côté? Ne va pas sur le côté, Galaxou. Oh là là, c'est dur. Non, tu ne repasses pas devant, c'est moi devant. Non mais oh, il reste 4 km, de toute façon, c'est encore long. Hein. En tout cas, c'est vrai qu'on en prend plein les yeux. Hein. T'as les arbres comme ça. Oh, les arbres qui s'ouvrent. Excellent. Tu passes dans les branches, t'es à l'ouverture. Excellent. Bonus drift. Ah, c'est vrai que c'est super beau. Hein. Tu vois, un jeu comme ça, honnêtement, fait aujourd'hui... Qui vous posez aujourd'hui avec les graphismes d'aujourd'hui, ça doit être juste impressionnant avec le nouveau moteur de EA. Putain, j'imagine pas, franchement. Déjà que c'était très très beau avec du Frostbite 2, mais alors avec le tout dernier moteur, ça doit être super beau, vraiment.
Ce serait top parce que c'est vraiment un jeu qui joue sur les graphismes, hein, ça. Hein. C'est vraiment une sorte de démon de démonstration au niveau environnement. Hein. C'est vrai que... Oh merde. Donc c'est vrai que pour moi, ça aurait valu le coup qu'ils en fassent un autre à la limite, même si, effectivement, c'est pas le Need for Speed le plus apprécié par les joueurs. Elle s'est fait bloquer? Bah ouais. Je crois qu'elle s'est fait bloquer, je la vois plus derrière. Bizarre. Ah non, elle est de retour, mais elle était un peu loin. D'accord. Elle avait dû avoir un problème quand même. Elle avait dû avoir un problème, effectivement. Et donc ouais, moi je disais, c'est un jeu vraiment qui porte sur les environnements, sur la beauté, etc. Donc je pense que d'en refaire un deuxième aujourd'hui, Need for Speed The Run 2, ça peut être bien. Après c'est vrai que vu que le premier n'a pas vraiment plu à beaucoup de gens, peut-être compliqué de manière... Enfin, le côté commercial est peut-être compliqué, disons. Mais bon, à part ça, bon jeu, super beau. Allez, j'accélère. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est coloré. J'aime beaucoup. Bonus drift. Allez, vite. Oh là là, on termine. Wouhou. Ah ouais, elle revenait très très fort derrière. Fallait se meufier. Allez, ça c'est fait. Nous sommes maintenant 11e au niveau de la position du run. Je vous rappelle qu'il faut être premier à New York. Ouais, je pense qu'il y aura un peu plus de duels comme ça dans la dernière étape. Effectivement. 720 XP gagné en course. Le run parfait, on en a fait au moins aujourd'hui. Ça fait plutôt plaisir. 100 XP flashback restant par 5. Nice. Et on a gagné apparemment la Nissan 370Z de Belova. Ok, suite du run. Qu'allons-nous avoir ensuite? Parce qu'en général, les étapes, elles durent une vingtaine de minutes. Voire 21-22 minutes, ça dépend un petit peu. Après, peut-être que la dernière étape sera plus longue, je ne sais pas. Je me souviens plus, mais en général, bon, c'est vrai que dans les jeux comme ça, c'est un peu toujours hein, bien cadré, étape de la même durée à peu près, tout ça. Allez, c'est reparti. Rattraper le temps perdu. Ok, checkpoint. Bon, ça logiquement, ça ne va le faire si je traîne pas trop. Pas de soucis avec ça. Je dis bien si je traîne pas trop. Pour l'instant, ça commence bien. Ça commençait bien. Waouh, qu'est-ce qui se passe? La police! Ah, des Lamborghini! Oh là là, mon dieu! Là, là en beau! Là, là en beau! Je sens qu'elle va m'en mettre plein la tronche. Ah, ça ne devrait pas être bien dur. Bien sûr. Mais niveau timing, c'est pas évident en fait. Oh, elle a voulu me bloquer! Aïe aïe, elle a voulu que je touche le cucu! Petite cochonne! Ouh! Attention, hein! Méchante! Ah, ça demande un petit peu de concentration, hein. Veuillez m'excuser si je ne vous parle pas. Faut quand même rester un minimum concentré. Passer bien les virages. C'est bon, on a repris un petit peu de temps effectivement sur le. Attention là. Ah, elle a voulu encore m'arrêter, elle a réussi. Je voulais pas la toucher, je voulais l'esquiver. Faut toujours que je lui rentre dedans. Au moins un petit peu, hein. Faut bien m'emmerder. Tu vas dégager, toi? Oh là là. Ok, c'est bien, on a encore plus d'avance. Ah, voilà qui fait plaisir, on est bon là. Ouais, parce qu'il compte que la police nous fasse peut-être de plus grosses misères. Et vu que je maîtrise plutôt bien tout à l'heure. Bim! Allez! Vas-y, ferme-la maintenant. Ah, génial, ce qu'on lui a fait prendre. Magnifique. C'est beau. Ah, on a perdu 2 secondes par rapport au checkpoint d'avant. Allez, t'inquiète. Mais bien sûr que je vais vous échapper. Tu crois quoi? Oh, chiasse. Ouais, facile. Tant que tu peux anticiper, c'est bon. Boum, coup de cul. Ouais, franchement, je crois que c'est mon étape préférée en vrai niveau environnement. Je trouve super joli. On a tendance à dire que les rocheuses, c'était le plus joli chapitre. Je trouve que celui-là est encore mieux. Là voilà, c'est bon. C'était pas dur. Là, je m'attendais à pire quand même. Je m'attendais à bien pire. Et donc là, pas de dépassement effectivement, donc pas de position gagnée sur le run. C'était juste une phase de checkpoint et de poursuite du coup avec la police. Ok, 1030 XP normalement, run parfait. Normalement, voilà. Donc deuxième run parfait aujourd'hui, ça fait plaisir. Flashback restant par 5. Bien sûr. Ok, suite du run. Par contre, je ne sais pas à quoi vont servir les niveaux de pilote. À part gagner des fonds pour le profil, machin et tout. Je vois pas trop à quoi ça sert. N'actionnez pas trop longtemps le frein à main sous peine de partir en tête à queue. Ouais, bah je me doute. C'est fini? Déjà? Non, elle est courte. What? Elle est super courte? Oh merde! Ah bon putain, série de défis campagne agitée.
Oh, j'aurais pas pensé qu'elle soit aussi courte. Icône de profil débloqué, ok. Mais écoutez, moi j'aime bien comme ça, vu qu'en ce moment je suis un petit peu malade. Ça me fait des vidéos un peu plus courtes, c'est moins long à... Entre guillemets, le boulot est moins long, au niveau du montage, tout ça. Donc tant mieux au niveau rendu et upload. Donc au final, tant mieux pour moi. C'est vrai qu'hier aussi, j'ai posté une vidéo sur... même l'autre jour, sur Eurotruck, j'ai posté une vidéo de 16-17 minutes, je crois. Ça me convient très très bien, donc non, c'est pas fait comme ça. Franchement, c'est pas plus mal. Et puis voilà, des vidéos, vous avez même des vidéos sur YouTube qui durent 3-4 minutes, hein, ça vous choque pas. Donc voilà, bref, merci à tous. Un petit pouce bleu, ça vous a plu. Portez-vous bien, à très très bientôt pour la suite. Vive les jeux vidéo et à la prochaine. C'est tout le monde.